Le feu pourrait me rendre service. Je garde ça. Je retrouverai ça dans ma réserve. C'était un piège électrique. Cette zone en est recouverte. Hé hey, quoi? Tu ne regretteras pas si tu tues ces pillards. Ah, ça ne s'arrête jamais. Bouge pas! Je vais voir ce que je peux faire. Peut-être les attirer dans les pièges. Elle est vulnérable à l'acide. Avec les pièges.
c'est le dernier. Ah, salut, Hawkins. Quelle journée, mes filles. La force soit louée, t'étais là. Les pièges sont pratiques. Mais je suis trop vieux pour la chasse. Viens par là. Je vais te remercier comme il se doit. Je vois que t'es expérimenté. Et t'as fallu moins de temps pour abattre ces pillards qu'à l'avant-garde pour tuer un fouisseur. L'avant-garde est passée par là? Ouais, juste avant toi. Ils ont abattu ce fouisseur et sont partis vers le sud. Mais là, les pillards sont arrivés pour récupérer la carcasse, comme toujours. Et c'est là qu'un autre fouisseur a surgi. Tu peux me croire, c'est la jungle par ici. Alors l'avant-garde est au sud? Sûrement. Ils grouillent de partout dans cette vallée. L'avant-garde avait l'air déterminée à les éliminer. Je vois. Attends un peu, Hawkins. Si tu vas faire la mariole dans les couloirs, tu vas avoir besoin d'un lance-câble. Et pas n'importe quel lance-câble. Un de ma fabrication. C'est moi qui te l'offre. Il a l'air de bonne qualité. Ah, ouais. Je peaufine le système depuis que j'ai quitté Skorok. Disons que, y a plus de place ici. Et moins de risque de... d'accident. Il est arrivé quelque chose à Skorok? Disons plutôt quelqu'un. Laisse-moi deviner. Ulvund. Au temps où j'habitais encore en ville, il s'intéressait beaucoup à mes produits. Il insistait pour avoir la remise d'Ulvund. Je lui avais refusé. Il l'avait pas très bien pris. J'ai aucune preuve, mais je suis sûr que ce boulot rouillé a mis le feu à mon atelier. J'ai pensé qu'il valait mieux prendre mes distances après ça. D'après l'opérateur de la télécabine, les fouisseurs sont arrivés hier. Tu sais quelque chose? Comment va ce vieux Karn? À l'époque, on peut dire qu'on en faisait belle, lui et moi. Je me rappelle de la fois où... Et au sujet des fouisseurs? Non. Comme dit Karn, ils sont apparus du jour au lendemain. Heureusement pour moi, j'ai l'avant-garde et toi pour venir me sauver les miches de temps en temps. Je dois y aller. Merci pour le lance-câble. Pendant que tu fais sauter les fouisseurs, je vais faire un tour à la zone de chasse. Tu savais qu'ils avaient une épreuve de lance-câble? T'as qu'à passer si tu veux essayer. Pourquoi pas? Dès que la situation sera maîtrisée. Alors Eren est parti vers le sud. Je devrais pouvoir trouver sa piste avec mon focus. Je crois pas que ça marchera. Des traces qui vont vers le sommet. Celle des rennes. Mon focus peut m'aider à les suivre. Il y a des fouisseurs partout.
Mon focus pourrait peut-être m'aider. Garde ça pour plus tard. On dirait que quelqu'un est en train de se battre. Encore un de moins! Voilà! C'est pour ça que j'ai été forgé! Pas de registre à remplir! Pas de patrouille ennuyeuse! Juste un marteau! Et le combat! À l'œil? Erend! Je m'occupe du reste. Je pourrais utiliser mon focus ici. Pas de vrai combat. Pardon. Cette puissance de bonbonne d'acide sur le dos. Si je tire dessus avec des flèches acides, ça devrait provoquer une réaction en chaîne. Hanoï, explosez tous! Un coup de chance? Je crois qu'il va devoir... Alors toi, tu tombes au pire moment, comme d'habitude. Bah, toi, t'as fait le plus dur, j'ai juste géré ce qui restait. Comment ça va? Oh, ça, les côtes, c'est surfait. Oh, oh. Ça va, ça va.
Bon, dis-moi. J'imagine que t'es pas venu jusqu'au couard pour me voir prendre une raclée. Dis-moi tout. Il faut que l'ambassade ait lieu. Pour que je parte vers l'ouest. Rend, ce que j'ai fait à la flèche... Ce qu'on a fait... Ça n'a pas réglé le problème. Ça l'a juste ralenti. Il reste beaucoup à faire. Vraiment ? Mais c'est génial ! Je veux dire, sauf pour le fait que le problème soit pas réglé, bien sûr. Mais bon, tu sais, quel que soit l'ennemi, ta lance, mon marteau, comme au bon vieux temps. L'ambassade doit avoir lieu tout de suite. Je peux pas attendre ta guérison. Ça devrait prendre que 2 jours. En fait, même si t'étais pas blessé, ce que j'ai à faire, je préfère le faire toute seule. Toute seule. Ouais, bien sûr. Eren, désolé de vous déranger en plein rencard, mais je suis pas très en forme. C'est bon, t'excites pas, j'arrive. Ah, ça devient de pire en pire. Écoute, je vais aller à Cagnard pour me faire soigner. Si tu veux que l'ambassade ait lieu... On va avoir besoin du prêtre du soleil. Voadis, le studieux. Oh, je le connais. Je vais éliminer les fouisseurs, puis envoyer Voadis à Cagnard. Je te rejoindrai là-bas. J'imagine que c'est ta manière de dire au revoir. Excuse-moi ? Toi, t'excuser ? J'aimerais bien voir ça. Mais qu'est-ce qui te prend ? Rien, laisse tomber, d'accord ? C'est rien. On dirait pas, pourtant. Bon, très bien. Après la bataille de la flèche, quand t'es parti, j'ai même pas eu droit à un remerciement. Rien. Je veux dire, on a tous risqué notre vie pour se battre à tes côtés, Aloy. Et toi, tu disparais comme ça. Comment t'as pu nous faire ça? Je suis désolée que ça ait été compliqué quand je suis partie. Et je sais que ça l'est toujours. Mais tout ce que je fais... La vie sur Terre est en danger. Et moi seule peux la sauver. La vie sur Terre ? Ouais. Tout mourra si je ne réussis pas. Alors laisse-moi t'aider ! Ah ! Impossible. Il n'y a aucune machine à combattre, aucun méchant à tuer, ce que je dois faire... Je ne peux même pas l'expliquer. Pas même à ceux qui comptent pour moi. Tu sais, je voulais juste te rendre service. D'accord. Eren, parle à Forge. Va falloir que j'y aille. Je devrais peut-être aller avec toi, Cagnard. Non, vraiment, t'as d'autres choses à faire. Apparemment. On va se débrouiller sans toi. Mon focus pourrait capter un truc qui m'a échappé. Ah, ça me dit rien qui vaille. Tu vas devoir t'occuper de ça toute seule. On ferait que te ralentir. Je me demande si mon focus pourrait me servir.
Voilà la carrière dont Turlis a parlé. Éclate tes crânes, Kadak. Une machine de moins. Et elle grouille de fruits secs. Cette machine a eu son compte. Encore une à terre. Attention. Bien sûr. Je sais pas ce qu'une Nora fait par ici, mais sache que je t'en dois une. On a essayé de les repousser en attendant l'avant-garde, mais l'un de ces foutus fouisseurs nous a chargés. Et en moins de deux, c'était le chaos absolu. Et tout le monde va bien ? On a perdu des gens bien. Mais sans toi, on aurait perdu tout le monde. Maintenant, tout est calme au moins. Le bruit de la carrière devrait bourdonner dans tes oreilles. Mais Skorok ne fait pas sonner son sifflet, alors on attend en ramassant les morceaux. Sans le sifflet, vous ne reprenez pas le travail ? Mega et moi, on n'est que des rouages dans cette histoire. On peut rien faire tant qu'Ulvu ne fait pas sonner le sifflet. Parce que si on bosse avant qu'il le dise, il nous bannira. Et mon peuple a déjà assez souffert. Ulvu n'a tant de pouvoir que ça ? Il a l'argent et les relations. Alors il peut faire fermer nos fourneaux. Parfois, je me dis qu'on aurait plus de chances de s'en sortir face aux fouisseurs. Sur quoi vous travaillez avec ton équipe ? On est censé travailler pour Ulvund, on extrait des pierres pour restaurer Gagnard. Mais l'arrêt du travail et les fouisseurs, ça a coupé notre élan. J'avais encore jamais vu ces foutues machines dans les couards. Par la forge, d'où elles peuvent bien venir ? Je ne sais pas. Du moins pour l'instant. Je dois continuer. Soyez prudent. Grâce à toi, on verra peut-être même la fin de cette journée. Je crois que j'ai éliminé la plupart des fouisseurs. Skorok peut reprendre le travail. Je vais annoncer la bonne nouvelle à Ulvund et à Voidis. L'ambassade pourra peut-être enfin commencer. Je pourrais essayer mon focus pour voir ce qu'il capte.
de l'ancien monde. On dirait un genre de bâtiment devant une falaise à pic. L'image est incomplète. Mais si je l'aligne exactement avec son lieu d'origine, mon focus pourra combler ce qui manque. Je voudrais voir ce que capte mon focus. On dirait que le bâtiment de l'image était près d'une rivière. Il y avait peut-être un pont à côté. Je crois que je suis plus à portée du panorama. Je dois réessayer. Voilà, bienvenue, étranger. Plus qu'à dire à Olvun de faire sonner le sifflet et à Voidis de partir. Toujours là, à ce que je vois. Skorok est sur les terres Karja. Pourquoi elle n'est pas à leurs ordres? Qui est-ce qui t'a nommé? Le bon sens des braves travailleurs au Siram, bien évidemment. Tu crois vraiment qu'un Karja pourrait diriger ses travaux? Le magistrat est à peine capable de venir à pied de Cagnard sans perdre ses boulons. Tu n'as aucune autorité, alors. Les gens ne t'écoutent que parce que tu parles. Fort. Quand on a des partisans, on a de l'autorité. Je vis à Skorok depuis le tout début. Je suis, pour ainsi dire, son fondateur. Et ses citoyens savent que je suis indispensable à son succès. J'ai éliminé tous les fouisseurs. Ah, vraiment ? Maintenant que tu t'es remis du choc, souffle dans le sifflet. Et là, n'allons pas si vite. Je vais devoir envoyer quelqu'un pour vérifier d'abord. Et m'assurer que la vallée est sécurisée. Ça ne devrait pas prendre plus d'un jour. Ou deux. Non. Souffle dans le sifflet maintenant. C'est de la vie d'Océram innocent dont il est question ici. Ce petit contretemps... Soit tu le fais tout de suite, soit je m'en charge. Ah, je savais que tu pouvais le faire. Mes amis, approchez. La sauveuse de Méridian a réussi à nouveau. Les fouisseurs sont anéantis.
toi. Quoi? Fais sonner le sifflet. Le travail à Skorok peut reprendre. Génial. Super. Ouais. Et Ulvund a accepté de payer de sa poche à chaque ouvrier son salaire perdu. Ouais. Ça, ça fait plaisir. Ouais. Ouh. Ouais. Ouais. Tu ne devais pas assister à une ambassade? Oui. Tu as raison. Mon focus verrait peut-être quelque chose. Il était temps que le sifflet retentisse. Ulvund doit être ravi. Tu vois, c'est pour ça que j'ai été forgé. Je te réserve ma meilleure marchandise, Rookin. Vu que t'as fait retentir ce sifflet. Hé, hey, ça fait des jours que j'attends que tu répares mon marteau porte-bonheur. T'as rien fait pour nous rendre service, genre éliminer des fouisseurs, il me semble. Prends ton temps, je te promets que tu seras pas déçu. Reviens quand tu veux. Bon, tu peux me réparer ça? Je peux réparer tes outils, mais ton caractère est irrécupérable. Je pourrais fouiller la zone avec mon focus. Maintenant que Skorok repart, les commerces devraient être ouverts. La route menant à Kanyar est libre. Tu peux y aller. Tu ne fais pas partie de l'avant-garde. Je ne partirai que lorsque le capitaine... J'ai déjà éliminé tous les fouisseurs. Tu dois partir. Ordre du capitaine. Alors, ils vont bien? Ils sont secoués, mais en vie. Et ils t'attendent là-bas. Mais j'étais censé avoir 3 escortes. Je pars pour Kanyar, Voidis. Aloy l'a dit, les ordres du capitaine. Tu peux rester ici. Avec cette plèbe répugnante? Sûrement pas. Eh ben, viens avec moi, alors. À plus tard, Aloy. Bon, maintenant que c'est fait, l'ambassade va enfin pouvoir avoir lieu. Si j'arrive à y assister, je pourrai retrouver Hadès. Peut-être même une copie de Gaïa. Je pourrais partir directement pour Kanyar,
Ou alors je peux visiter un peu les couards avant de partir.